va sous le préau. Hein? Ok. Allez. Ce spectacle va s'appeler Pas si grand. C'est un projet qui va concerner la classe de l'école Ernest Pirochon, que moi-même, la compagnie Volubilis et le festival Panico Dancing suivons depuis quelques années, puisqu'on a démarré un travail depuis le CP avec ces enfants. Et tous les ans, ils ont été reliés à la danse, la pratique de la danse et aussi au festival tous les deux ans. Et vous savez qu'à la fin du mois de septembre, eh bien, il y a le festival que vous connaissez, Panico Dancing. Moi, j'avais écrit le projet avec votre école du CP jusqu'au CM2. Donc c'est vraiment le dernier gros projet. Là, on a 23 élèves de CM1 et ils vont danser avec 23 danseurs professionnels. Le grand aboutissement, ce sera pendant le festival Panico Dancing qui va se dérouler du 29 septembre au 2 octobre puisque les Pas si grands se dansera dans le centre-ville le samedi 2 octobre. Chaque duo, puisqu'il est question de duo entre un danseur professionnel et un danseur enfant, eh bien, viendra en périphérie de la ville et se rejoindra sur la place du marché. On aura donc 46 danseurs qui se retrouveront ce fameux samedi après-midi où tout s'arrêtera, c'est-à-dire que les autres spectacles s'arrêteront pour voir celui-là.